Et bonjour à tous, c'est moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2 pour l'épisode 10, ouais, normalement c'est ça. Ouais, pour l'épisode 10. Alors, on va continuer. Alors, on va continuer le let's play, donc on va aller là. Alors, c'est un mec qui a des trucs comme ça, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, faut qu'on aille là-bas, hop. Bien sûr, cette salope de Lenny. Citoyens du monde, veuillez m'accorder votre attention de crétin décérébré. Tête sec, tête sec. Ce n'est qu'un énorme tas de losers bons à spammer vos plus RSS. Ils prétendent être les garants de votre libre arbitre, alors qu'ils ne sont qu'une bande de bidouilleurs qui fait n'importe quoi pour un peu de popularité. Mais c'est fini tout ça. Moi, je vais leur donner une bonne leçon. Et vous, je le sais. Si vous pensiez que je ne peux pas, détruire, détruire votre système. Eh bien, dans ce cas, vous me connaissez mal. Et je vais squatter un peu pour corriger ça. C'est juste Kiki. Ouais, c'est juste Kiki. On fait le ménage dans l'excellent pendant que Josh essaie de trouver la clé de cryptage. Oh, ta gueule, putain! Oh, putain. Ok. Bon, je pense qu'on peut leur déclarer la guerre, là. Ouais, on va pas laisser ces trolls nous traîner dans leurs égouts. D'être sec en coup pour coup. Et après? Ça fera quoi d'être en guerre avec eux? Ça enlèvera pas l'avantage qu'ils ont pris sur nous? Ça changera rien? Ils ont pu entrer! Si on sent pas les couilles. Hey, écoutez. On va pas laisser Primate nous enterrer. Faut qu'on gère ça bien. Ok. Primate vend des exploits zéro day à quiconque peut se les payer. Ouais, ça veut dire gouvernement, Bloom, Moodle, jusqu'à des groupes terroristes. Les Sons of Rotnorok. Quoi? Mais ouais, les Sons of Ragnarok. On sait que Primate bosse régulièrement pour eux, non? Alors on se démerde pour en savoir un maximum sur leurs membres et leurs opérations. J'ai tête sec, on se couche pas, devant personne. Yo Josh, tu te réveilles ou quoi? D'accord, c'est la guerre. Vas-y, pousse-toi. Je vais faire passer le message sur nos canaux. C'est obligé qu'ils aient des ennemis susceptibles de nous filer des infos. On va bouillaver leur grand-mère. Allez, donc c'est bon. Continuez à bosser sur Kiki. Je vais aller parler à Lenny. Tu sais où la trouver? Elle va souvent dans une boîte du côté de Castro. Ouais, je vois laquelle. Alors, on va continuer. Ça me fera plus chier. Marcus, t'as une seconde? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je vais regarder un peu l'algorithme. Et c'est ici, ok. On a récupéré chez Noodle et il y a un truc qui va pas. Les données qui balancent sont toutes fausses. Tu veux que j'aille jeter un œil sur place? Ouais, si tu peux. Ok, je m'en occupe. Allez, hop, c'est là, juste là. Merde, on a dépassé. Ouais, c'est là. Thank you.
Yeah! Babas! Oh bien. Bon, je te mets la puce. Attends. Laisse-moi kiffer un peu. Oh, regarde-moi cette brêle. Alors, dis-moi, combien de pauvres Chinois t'as enfermé dans une cave pour craquer mon code magique? Franchement, je dis respect. Maintenant, faut que je demande gentiment, parce que sinon tu me donnes la clé et je t'embête pas plus longtemps. Hein? Ça a ransomware, espèce d'abruti. Et tu veux quoi, exactement? Oh, juste que vous fassiez une de vos vidéos à la con. Waouh, je savais pas que tu faisais partie de nos followers. Ah, vous voulez que des foules d'internautes vous adorent, hein? Bah pas tant que je serai là, bordel. Aïe! Ce que je veux, c'est une vidéo dans laquelle vous dites au public que DedSec est à chier et mérite pas 2 minutes, ni même 2 secondes de leur temps. Et faites ça bien, hein? Pleurnicher un peu. C'est tout? Ouais. Pour l'instant. Mais si vous le faites pas, je balancerai publiquement tous vos blazes. Ah! Eh ouais. Vos petits noms à vous, vos identités, toutes les pages jaunes et blanches de DedSec, bitch. Dis donc, tu nous laisses pas vraiment le choix, on dirait. Eh non. Bon, allez. Sois sage. Et surtout, maintenant tu te dépêches et tu vas aller me faire la vidéo que je viens de te demander. Oh, attendez. Oh. Ouais. Alors ? En gros, elle veut qu'on fasse une vidéo où on dit qu'on est nul. Alors là, elle peut toujours courir. Oh si, on va faire une vidéo. Sauf que c'est elle qui va passer pour une débile. Ragnarok utilise les Primates pour installer un malware sur des distributeurs. Alors ce sera les distributeurs. Ils gèrent l'opération depuis leur point de rendez-vous habituel, Ronda Steyer. Je vais envoyer Gouli en reconnaissance. Retrouve-le une fois que tu seras sur place. Voilà. La voiture, elle est où? Elle est plus là. Ah, il y a une moto. C'est où? Tout là-bas. Oh. Fool, while you're breaking rules, dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you. Gouli. Bien ou quoi, Rétro? Les Ragnarok payent les Primates pour hacker des distributeurs, c'est ça? Ça fait longtemps qu'ils utilisent de faux lecteurs de cartes, mais ça rapporte pas énormément. Mais depuis que les Primates ont mis un malware sur les distributeurs, ils ont triplé leurs revenus. Pas étonnant. Le code récupère les données et envoie une copie aux Primates. Ni l'utilisateur, ni la banque se rendent compte de ce qui se passe. Ah, mais nous aussi. Eh ouais. Ça devrait pas être trop dur de modifier leur code. Imagine comment les Sons of Ragnarok seraient vénères contre l'ennemi Primate si jamais il arrivait quelque chose à leur opération. Ouais, c'est ça l'idée. Mais ça va être dangereux. Tu ferais mieux d'y aller, Gouli. Ok, mec. Bonne chance. Ouais, je risque d'en avoir besoin. Allez. Ah.
Ok, les distributeurs sont là. Détruis-les. Vas-y, fais-toi plaisir. Merde. Putain, je suis trop loin. Puis mon coffret, je vais me casser les couilles. Ouais, bien reçu. Putain. Voilà, on saute. Hop, on va là-bas. Merde, putain, je suis reporté. Oh, c'est Bagdad là-dedans. Oh, c'est Bagdad. C'est Bagdad. Une personne s'est fait niquer là.
Voilà. On a été clair là, non? C'est comme si 1 million de gens escroqués par un zéro day venaient de pousser un cri de gratitude. Oh, ça bug. Désolé. Ça va paniquer tout par contre. Et voilà, on reprend de là. Alors, voilà, c'est bon, on a fini. Attends. Continue, voilà. Moi j'ai rien à faire. Je démarre un peu partout, mais c'est pas moi. Qui vais? Bien sûr, cette salope de l'ennemi. Mais non! Veuillez m'accorder votre attention. Putain, j'ai tout défoncé. Putain, mais non! J'ai déjà fait, qu'est-ce qui me casse les couilles? C'est bon là. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais non, j'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'il me casse? Putain, mais c'est pas possible de voir ça. Mais il se fout de ma gueule. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils me disent encore d'aller là? Bon bah ok, on va aller là, mais bizarre. Tiens, démarre mission. Ah non, c'est pas du tout pareil. Ah, désolé, ça c'est mon chien. T'es sûr que tu veux continuer? Ah bah si, c'est bon. C'est la gerbe. Et tu sais pourquoi? À cause de vos vidéos de propagande, les graffitis, toutes vos conneries anti-système bien pensantes. Vous vous prenez tellement au sérieux, bande de baltringues. Hey, tu viens nous attaquer, mais faut que tu comprennes. On est tous dans le même bateau. Ensemble, on pourrait même... Hey, non mais oh, tu m'as prise pour une noob? Tu délires, toi? Faut vraiment que tu sois une sacrée quiche pour que je vois aussi clair dans ton jeu. Ah, je me suis dit que ça valait le coup. Ok. Pauvre chou. On va voir ce que vous arrivez à faire sans serveur. Loser. Alors attendez, je reviens tout de suite. Alors on reprend. Alors on est jusqu'à bunker. Ok. En fait, je pense que c'est bon, non? Donc, c'est ça. Je croyais qu'on a recommencé une autre mission, mais non. Je sais pas pourquoi ça nous a... Ok, les gars, comment on fait? Bon, bah y a pas moyen de déverrouiller la porte. Quelqu'un a un plan B? Ah, attendez, j'ai quelque chose. Il y a un vieux conduit d'aération. Il doit être recouvert par la végétation. Je vais le trouver. On va prendre le drone. On verra. Là, là. Ok. Moto. On se recharge. Mais ouais, ça craint rien. S'il y a un truc dont tu peux être sûr, c'est que l'ennemi décolle pas avec la sécurité. Personne peut entrer dans ce bunker. Si les Allemands n'ont pas pu pendant la guerre, c'est pas des sacs qui va y arriver. Sérieux, ça me dirait bien d'aller un peu de temps. J'en ai ras les cul de monter la
Putain. Bon, faut courir de toute façon. Putain! Allez, trouvez-moi ce bâtard et occupez-vous de lui. Bon, laissez tomber. Sauf faut qu'on rentre, hein. Hop, toi tu vas dégager. En même temps, faut que je m'occupe d'une seconde partout. Ok. Ouais. Je suis entré. Oh, ça pue la bière et le fromage de pied. Rien à foutre. Dépêche-toi de trouver cette clé. Touche pas à mes affaires. Ah, salut Lenny. Je suis chez toi et je fous le bordel. Alors, t'as cru que tu voulais voir le chemin. C'est Lenny. Elle va faire sauter le bunker. Pardon? Y'en a combien? Deux, non, trois. On dirait que... Oh merde! Peut-être quatre. Elles ont pas l'air connectées. Du coup, y a peut-être pas d'ordre. Y a combien de feux? Essaie de trouver une autre sortie.
Putain, les gars! J'ai besoin de me concentrer. Oh. Hop. J'arrête. Hop, ici. Là, 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 là. Voilà. Là, ça a l'air d'être bon. Après, ici. Ok. Ici, là. Putain, merde. Il y a vraiment qu'un deuxième. Il vient d'en bas. Donc, si, il vient d'en bas. Putain, merde. Là. Merde. Ah, voilà, c'est sûr. C'est là que je veux. C'est bon, là. 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 Là, c'est bon. Donc là, ça repart là. Oh, on n'a pas besoin. Là, oui. Là. Après là, ici, et ben là, là. Ah, Zeus est en train de m'enchaîner. Encore une fois. Ah, désolé, putain, encore du mal. Là. Là. Voilà. Ou ici. Non, c'est bon. Dévoré, voilà. Foiré, espèce de... Fils de rat, chien maudit. Ah, bah voilà. On dirait que les bombes, c'est réglé. C'est pas fini, enfoiré. Oh, si. Je crois que si. Et voilà. Bon, c'est pour cette vidéo. Un petit quad en plus. Yo Marcus, bienvenue dans le nouveau hackerspace post-primate. Et on s'est enfin débarrassé de leurs odeurs. Quoi déjà? Yep. Wrench a dû mettre pas mal de bombicides, mais après, wouh, c'est allé vite. Va jeter un œil. Donc voilà, c'est bon, on a fini. Alors. Alors, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine heure. Marcus, allez, écoute ça. Il y a un autre boîtier CityOS dans le coin qu'il faut libérer. Et il y a des obstacles? La sécurité de Bloom, évidemment. En gros, ça va être chaud. Mais c'est pas comme si on l'avait jamais fait. Hé, hey, je viens d'intercepter un message. Apparemment, Bloom sécurise les données. T'as 5 minutes. Max. Ah, et aussi, n'hésitez pas à liker ma page, mon Twitter si vous n'avez pas, à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, ça fait un grand plaisir. On se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, salut!